Un petit test de stream de Blade and Soul que j'avais envie de vous faire découvrir depuis super longtemps. En fait, là, je vais juste tester la fluidité du stream. Il y aura trois streams officiels ensuite. On aura un pour vous présenter le personnage, un autre pour vous présenter l'environnement. Et finalement, un dernier pour vous présenter la partie sans doute la moins digeste de ce free-to-play, qui est le grinding de la mort qui tue éternel, qui est la seule chose qu'on vous laisse si vous ne souhaitez pas sortir la carte bleue. Donc, on en reposera un petit peu plus tard dans un vrai stream officiel. Pour l'instant, je vais juste me balader dans le jeu, histoire de retrouver les habitudes. Ça fait bientôt 6 mois que je ne l'ai pas retouché. Histoire aussi de vérifier les problèmes techniques qu'il pourrait y avoir. Donc il n'y aura rien d'extraordinaire dans ce stream à part que je vais faire un saut. Wouh! Et je vole. Enfin, je corrige, je plane. Parce que ça plane pour moi. D'ailleurs, je vais aller planer par là-bas. Je serai beaucoup mieux. Il y a des gros pixels, je vois, sur le retour. C'est moche. J'espère que le stream, c'est juste parce que c'est une version. Sur ma babasse qui ont chié un petit peu. Alors je rappelle, babasse d'amour est en QHD et 2560 points de largeur, ça en fait pas mal à gérer. Surtout quand il y a l'autre écran qui est connecté avec le retour, plus le contrôle du stream, plus t'es moche toi. Ouais, je sais. Mais j'avais envie. Faut vraiment que j'aille revoir mon arbre de compétences parce que je me demande ce qui me reste comme pouvoir. D'ailleurs, je vais regarder tout de suite si je retrouve où c'est. C'est où les compétences? Nouvelle récompense, rien à foutre, rien à foutre. Lettre reçue, c'est fantastique. Là, apparemment, depuis le temps que je me suis pas connecté, il y a une nouvelle quête solo. Oui, moi j'accepte tout, je suis zen. Surtout quand je suis arrivé dans le jeu, monsieur m'a proposé de désactiver mes anciennes quêtes en cours, il y en avait 13. Donc là, je me retrouve un petit peu en mode salut, Pôle emploi. J'ai envie de découper du strum. Deuxième étage de l'atrium de la tour de Mouchine. Ah, ça, on en reparlera. La tour de Mouchine, c'est quelque chose de très très particulier. Si on regarde la map, si elle n'a pas changé. Oui, elle n'a pas changé! Donc moi je suis quelque part ici. Bonjour. Et en fait la tour de Mouchine, elle va se trouver. Faut que je me rappelle. C'est pas bon se faire vieux dans les MMO. Attends, on va changer de zone. Voilà. La tour de Mouchine, c'est ça, cette petite chose. Alors il y a un téléporteur, c'est les trucs verts qu'on peut voir. Ça évite de se taper toutes les bornes, parce que moi je suis grosso merdo là-bas, si je me rappelle bien. Et donc la tour de Mouchine, c'est un endroit particulier, puisqu'en fait c'est des suites de donjons qu'on enchaîne, et avec du gros boss qu'on fait solo, pour apprendre justement les techniques de combat et se perfectionner. Et je vous garantis qu'il vous oblige à vous perfectionner, parce que les bestioles qu'on trouve là-bas sont relativement impitoyable. Donc le droit à l'erreur est quasi inexistant. Et si les premiers niveaux sont relativement faisables, ça devient rapidement corsé, voire, pour les plus téméraires, assez hardcore. Reprenons donc la carte. Bah, je vous la ferai voir dans le stream officiel, hein. Ce sera quand même vachement plus sympa. Mais en fait, c'est divisé en plusieurs zones et c'est assez vaste. On démarre sur la côte verdoyante, si je me souviens bien. Voilà. Dans le village au bon bout. Et en fait, votre périple, ben, il consiste à faire à peu près ce trajet-là, hein, se balader comme ça. Hop, on vient là, il y a pas mal d'événements qu'on débute. Ensuite, vous pouvez tirer plus loin. Là, vous avez le village de Dogger de Roche qui va vous faire tourner en bourrique pour atteindre votre niveau 20, normalement. Et une fois que ce sera fait, vous pourrez commencer à aller tataner du méchant approprié dans cette zone-là. Et finir en beauté dans les goulets des ponts noirs. Là, c'est une zone. Comme vous le voyez dans le menu déroulant, il y en a plusieurs. Il y en a pas mal. Sachant que les dernières zones,
c'est par là, et je ne les ai pas faites. Oh joie! Je vais peut-être pouvoir vous faire du stream d'exploration réelle, ce qui n'est pas désagréable. Les montagnes du Gier d'Argent, c'est là où je m'étais arrêté. Une zone très très intéressante, très complète, avec énormément de donjons assez hardcore. Et aussi avec beaucoup beaucoup de quêtes en clan. Alors les clans, j'y reviendrai, je pense que ça sera un quatrième stream. Les clans, c'est assez particulier puisqu'en fait c'est une sorte de multijoueur en équipe relativement massive, c'est-à-dire que vous pouvez rejoindre des groupes de 24 joueurs. Et c'est pas mal orgiaque puisque vous tapez des montagnes de points de vie qui, bien entendu, vous ne seriez pas capable de démonter seul et qui, elles, par contre, en un seul coup, peuvent vous démonter sans le moindre remords. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je vais faire de mon stream? Je vais me faire un petit donjon quand même pour voir si je me rappelle des fonctions. Alors les fonctions, c'est où? Oh nom de Dieu. Eh oui, il fait pas bon vieillir. Je voudrais en fait mon perso, je voudrais mes compétences. Je me rappelle même plus où c'est dramatique. Compétences, 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 compétences. Non. Non, 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 non. C'est comme compétence. Non, ça marche pas. Et non, c'était là. Bob. Je suis rouillé. C'est dramatique. Mes compétences sont avec quelle touche déjà? Je ne m'en rappelle plus du tout. Alors, compétences S, skill. Non, c'est déjà utilisé. Donc, ça va être par. Yeah! Tout au cul. Mon Dieu, ils ont tout changé, les fumiers. Alors, c'était mieux avant. Oh putain, c'était mieux avant, oui. Alors, c'est pas mal. C'est pas mal qu'ils aient changé en fait, puisqu'avant on avait un grand arbre de compétences qui partait dans plein de directions et qui n'était pas du tout évident à maîtriser. Et souvent, eh ben, on arrivait dans des donjons qu'on jouait à 4, tout à fait normaux, où il y avait beaucoup de joueurs qui ne pigeaient pas la technique à faire, parce que passé un certain niveau dans Blade and Soul, le donjon, ça devient quand même assez technique. Ça veut dire que vos boss, va falloir les dépiauter, mais couche par couche, comme des oignons. Et il y a une manière de faire, il n'y en a pas 36 000. C'est-à-dire que si vous n'attaquez pas correctement le boss, aucun de vos coups n'aura de portée, quelle que soit la puissance des personnages du groupe. Et il y avait beaucoup de soucis quand on jouait en groupe improvisé en particulier. Il y avait beaucoup de soucis sur les donjons. On était obligé, par exemple, d'hébéter un boss pour pouvoir le tataner un peu. Donc, ils ont pris le parti pris de carrément mettre ça en rubrique, ce qui est peut-être pas bête. Hein. Ce qui est peut-être pas bête. Mais moi, je regrette mon vieil arbre de compétences où on voyait tout d'un coup, j'aimais bien. Alors, je vais faire mon vieux compte, classement par icône. Yes, c'était ça. Donc, voilà l'arbre de compétences classique. Ça fait un peu impressionnant qu'on débute, hein, mais c'est pas tant impressionnant que ça. Ici, vous avez toutes les touches que vous gérez avec la main gauche. Donc 1, 2, 3, 4. WXZ1, c'est les touches du bas. Et après, AES, etc. Les touches du haut, plutôt offensives. Je vais vérifier juste qu'il ne m'a pas dégagé des compétences au passage, parce que ça m'énerverait. Non, ça a l'air de bien, bien aller. Classement, comment je reviens? Place. Ok, c'est bizarre quand même comme c'est classé comme ça. Protecteur et vapeur, il y a des trucs de groupe maintenant. Fuite. Ça, c'est les trucs d'esquive donc. Défense, satatam. De toute manière, je n'ai aucun point de compétence à déchirer. Oui, je le ferme. Oh bah alors, on a un petit level qui aime pas les moutons là, dis donc. C'est farfelu. Alors, ce que je vais faire pour ce stream, on va pas se prendre la tête. Je vais faire juste un petit donjon pour voir si je suis vraiment trop rouillé. Je crois qu'il y en a un avec un petit scorpion rigolo dans le coin. Et le moment. Tout là-haut. Regardez. Alors ça c'est quoi? Bah tiens, au bord du lac, on va aller chercher Kiki.
Kiki le scorpion dressé qui a échappé à son maître. La première fois que vous vous faites Kiki, vous avez un tout petit niveau, vous n'êtes même pas level 20. Et je vous garantis qu'il vous donne du fil à retordre. Bon, après, quand on revient sur ses pas et qu'on a un vieux qui tape en level 50, je vous garantis que Kiki ne fait pas un pli. On va le voir tout de suite. Il est où Kiki? Où t'étais Kiki? Tu te caches dans la grotte. Ouais, ça doit être ça. Il est plus salaud. Oh la lentitine. Hop! Bon, bah, ça va me faire mon petit entraînement pour me dérouiller. Alors, que je retrouve mes fonctions. Sauter, machin, truc. Ok. Ok. Bon, je vais pas leur faire. Utilisation impossible pour le moment. Oui, bon, de toute façon, même si je tape juste un coup d'épée, je crois qu'ils ont des soucis. En général, j'ai ça qui est rigolo normalement. Voilà, ça fait mal. Ça fait plutôt mal. Alors, niveau combat, le jeu est super intéressant. Parce que les combats, du coup, sont très très dynamiques. Alors, je suis pas un joueur de Warcraft, j'ai jamais joué à un MMO. Moi, les MMO, à la base, ça m'emmerdait. Blood and Soul, bah, c'est le seul jeu qui a réussi à m'accrocher. Je vous expliquerai ça plus en détail dans les autres streams, comment cette histoire d'amour a commencé. En fait, la version courte, c'est que moi, quand j'ai essayé le jeu la première fois, j'ai eu vraiment l'impression que Blood and Soul, bah, il avait le Soul de Soul Calibur. Parce que les combats, vous allez voir, sont super dynamiques en fait. Et c'est super agréable. Utilisation impossible pour Oui, le mais je ne me moment. rappelle plus toutes mes touches, madame. Il est où ce con de scorpion là-bas? Bon, les mobs, cassez-vous. Je vais aller directement voir le gros. Ce sera plus simple. Alors, le gros. Oh, mais tu fais ta lessive. Je reviens plus tard si tu veux. Non, j'ai gagné. Bah le gros, il va pas faire un pli. Hein. Étourdissement, hop, hop, et voilà. Bon, ça c'est fait. Je suis désolé. J'aurais peut-être dû prendre un plus gros boss quand même pour démarrer. Alors, ces choses bleues, c'est pour retourner à l'entrée du donjon. Ça évite de se taper tout le parcours à pied. On est un peu feignasse et qu'on en a plein de. Cliquez pour récupérer votre récompense. Ouh, ça va être fantastique. Alors ce que je vais essayer de vous faire dans les différents streams, ça va être. Tiens, j'ai l'impression de ne pas avoir le son sur le jeu. Je vais vérifier ça. Dans les différents streams, oui, ça va être de détailler progressivement en fait ce qui compose l'univers de Blood and Soul qui est relativement bien fourni. Et d'ailleurs, c'est le fonds de commerce de ce free-to-play, puisqu'il va vous pousser à grinder comme un cochon. C'est bon, j'ai le son du jeu, ça va. Le plateau est disponible. Relançons-le. Attends qu'on me donne des cadeaux gratos, je dis pas non. Alors ça, c'est un principe de loterie qui vous permet de looter sans vous casser les fesses, juste pour vous forcer à vous connecter quotidiennement. Parce que c'est un principe de plateau. Là, on voit, j'ai encore 2 tours. J'attends 20 minutes entre chaque tour. Et le système va se reset dans 24 heures. Donc dans 24 heures, si je me reconnais, je peux à nouveau relancer le plateau 4 fois et choper 4, soit des merdouilles, soit des trucs potables. Il y a des trucs potables quand même dans la liste. Hein. Quand on voit la quantité de choses qu'il y a à grinder dans Blood and Soul, c'est pas plus mal qu'on vous file des items gratuits. Hein. Je vais retourner où j'étais, je vais les mettre sur la maison la bleue, adossée à la montagne. On y va taper. On y va zapper. Allez.
Alors, je me suis attribué du petit sobriquet de Boutantrain, parce qu'en général, je dis énormément de conneries quand je suis en team, en donjon. C'est ma grande spécialité. Hélas, ça n'apporte aucun point de compétence. Mais si c'était le cas, je vous garantis que je serais parmi les masters. Même foutre mon coin préféré. Pour pas être embêté par les noobs. Sale noob. On a tous été noobs de toute manière. Voilà. Ça va pas bien là. Comme ça, je surveille tout le monde et personne vient me faire m'ennuyer. Alors cette chose-là qu'on voit ici, là, ça, c'est un portail qui vous est accessible quand vous avez un certain niveau dans le jeu. Ces portails, il n'y en a pas 36 000 sur la map. Et vous permettent de vous déplacer gratuitement d'une zone complète à une autre. Ce qui est intéressant, car il faut savoir que sur les petits trucs verts en général, les téléporteurs courants du jeu, le déplacement nécessitera à monnaie sonnante et trébuchante, comme on dit. Donc c'est des bons endroits à repérer, quand on est un petit peu pingre, radin, ou tout simplement qu'on n'a plus de sous, et qu'on a besoin de faire des grandes traversées. Parce que le jeu n'hésitera pas, si vous faites des quêtes solo, à vous faire pas mal faire pas mal d'allers-retours. Ce qui peut être amusant un temps, mais atteint très rapidement ses limites. Tiens, j'avais pas regardé l'état de mes finances, 502 pièces d'or. Alors ça peut sembler beaucoup, mais le jeu ayant une tendance à monter de manière exponentielle la valeur des objets et des items qu'on peut croiser, si ça se trouve, 500 pièces d'or aujourd'hui, ça vaut plus rien dans le jeu. Je vous rassure, vous commencez avec des pièces de cuivre. Et je vous garantis que les premiers loots où vous allez en suer pour récupérer 10 pièces de cuivre, eh ben, vous allez les apprécier en fait. Quand vous passerez ensuite à commencer à trader avec les pièces d'argent, vous trouverez les pièces de cuivre ridicules. Et progressivement, vous arriverez aux pièces d'or. Et là, oui, vous verrez que le reste, rien à foutre. Souvent, les items bas de gamme, vous les jetez plutôt que de les convertir ou quoi que ce soit, ou essayer d'en tirer de l'argent. Parce que c'est plus une perte de temps que autre chose. Un petit truc que je vais quand même vous faire voir, c'est d'ailleurs, je vais regarder surtout pour moi. C'est Zut. La place de marché. Le marché. Qui est le nerf de la guerre du jeu quand vous êtes coincé? Alors, vous pouvez être coincé à cause de quoi? À cause d'un item qui ne veut pas tomber. Alors, bien souvent, il y a des choses spécifiques pour monter en puissance votre personnage qui vous seront demandées, mais qui sont accessibles uniquement à certains endroits. Or, ces certains endroits, vous allez avoir deux situations qui vont se présenter. La première étant, vous maîtrisez l'endroit. Vous arrivez à remplir la quête, mais vu que le loot est aléatoire, l'objet que vous souhaitez ne tombe jamais. C'est ainsi que vous serez amené, pas régulièrement, ça arrive plutôt rarement, mais c'est pas exceptionnel, vous serez amené à rager totalement quand vous aurez fait 25 fois le même donjon pour faire tomber une dague qui ne veut pas tomber, par exemple. Et je vous garantis que ça met sérieusement les boules. Donc le marché est là pour vous sauver. Si vous avez assez d'argent, vous pourrez acheter ces items la plupart, sauf certains qui sont vraiment particuliers et qu'on ne peut pas échanger. L'autre truc qui pourra vous arriver, c'est qu'on vous demande un item particulier dans un donjon que vous n'arrivez pas à passer. Et là aussi, le marché va venir vous sauver la mise. Vendre, j'ai rien à vendre, peut-être des clés, parce que je suis pété de clés. Rien à faire, c'est pas grave. Les cuicuis, c'est un robot qui vous spamme sur le chat. Et que, en général, on se fait un grand plaisir de bloquer direct. En général, de toute manière, sur le chat, vous êtes soit sur le hall, soit sur votre groupe. Pour être peinard. Bon, voilà pour ce petit stream. J'ai juste récupéré mes deux objets là. Parce que les objets, bien entendu, ils tombent pas direct dans votre poche. Il faut les ouvrir et les réceptionner. Fantastique.
envoyer la purée. Hop, et on a l'inventaire. Super. D'expérience. Des points d'XP. Alors, des points d'XP, ça aussi, il faudra que je détaille. Ça sera le premier stream. C'est cette barre ici que vous avez là. Votre niveau. On a Hongmoon, qui est un niveau qui complète le niveau général du perso. Il est niveau 50 là. Et en dessous, vous avez la barre d'XP pour passer le prochain niveau. Et au début, ça avance pas mal. Puis avec le temps, vous allez vite remarquer qu'elle vous fait sévèrement ramer cette barre. Voilà. J'essaie d'être exhaustif, mais le problème, c'est que du coup, je décris plein de trucs différents. Donc je pense que tout ça, on le prendra bien comme il faut dans le premier stream qui lui va se consacrer uniquement au personnage avant de foncer un petit peu dans l'aventure pour découvrir ce que révèle Blade and Soul. Version courte encore, hein, Blade and Soul, très très bon MMO gratuit en ligne. Si vous aimez les ambiances asiatiques, légendaires, fantastiques, c'est assez génial. Les gens ont tendance à cracher un peu dessus vu que le moteur graphique est un peu vieux. C'est l'Unreal 3. Quand on voit ce que les gars arrivent à sortir avec un moteur Unreal 3, moi très honnêtement, je préfère ces gens-là qui font le boulot avec finesse plutôt que des pathos qui vont mettre un Unreal 4 pour faire de la merde et pas savoir appliquer des textures originales. C'est une question de goût. Les niveaux ambiance, légendes asiatiques, tout ça, si ça vous branche, les histoires fantômes chinois et les ninjas volants, vous allez totalement vous éclater. Les défauts, je les garde pour plus tard. Il y en a pas mal. Ils sont pas rédhibitoires. Parce qu'à la base, on joue à un jeu pour passer le temps. Mais il y a un principe quand même de grinding qui est purement abusé dans les très hauts niveaux. Walou. Bon, bah, c'était juste le stream de test pour voir si ça passe correctement. Si je suis pas plein de gros pixels, si j'ai une fréquence d'affichage potable, si on entend bien ma voix, et si on entend un petit peu le jeu derrière. Normalement, on se retrouve donc pas très long pour faire cette petite exploration, découverte de Blade & Soul. Alors, je vous dis à tout bientôt.